Bienvenue à tous dans ce 36e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Il y a quelques épisodes, les éditions Petit à Petit vous avaient présenté leur tout nouveau docu-BD, Histoire incroyable du basket. Si vous n'aviez pas visionné cette présentation, laissez-nous vous rappeler à quel point cet ouvrage est le cadeau parfait pour les fans de basketball. Ce docu-BD raconte l'histoire du basketball à travers 25 moments légendaires. Des Bad Boys de Détroit à Kawhi Leonard, en passant par Manute Ball. Quel plaisir de redécouvrir ces récits en BD avec une superbe direction artistique. Les éditions Petit à Petit vous avaient proposé 5 exemplaires en jeu concours. Les vainqueurs s'affichent actuellement à l'écran. Si vous êtes l'un des heureux gagnants, merci de lire la description de cette vidéo pour obtenir votre livre. Sinon, direction vos librairies pour mettre Histoire incroyable du basket sous le sapin. Prenons un bol d'air frais en voyageant dans l'Oregon en 1977. Et oui, c'est cette année-là que les nouveaux Portland Trail Blazers remportèrent leur premier et seul titre NBA. Logiquement, les équipes championnes obtiennent de minables choix de draft. Mais Portland avait été malin en grattant le premier pick de la part d'Indiana un an après le championnat gagné. Rappelons que les Blazers jouèrent ce mauvais tour à ces mêmes Pacers en 1984, eux qui auraient virtuellement pu drafter Michael Jordan. Bref, retournons en 1977, là où Portland écrivit l'histoire. En effet, cette année fut une nouveauté, car le premier choix de la draft n'était pas américain. Son nom, Michael Thompson. L'ailier fort bahamien offrit à l'Oregon ses talents dans la raquette pendant 7 saisons très correctes, mais pas que. De retour à Portland une fois sa retraite actée, avec 2 bagues aux Lakers dans la poche, Thompson emmena dans ses valises son chérubin, un certain Clay. C'est à Lake Oswego, une banlieue huppée de Portland, que grandit Clay Thompson. Avec lui à l'école, un dénommé Kevin Love. Face Kevin Love here. On was pitching, he was bad. I beat him right back. Knew he was gonna be a calf. You know, supported on the parent side, but you know he was a former player, so you know he's gonna be a little critical, you know. Le premier mentor de Thompson était évidemment son père, le joueur de se remémorer. Je dois beaucoup à mon père. Je me souviens qu'il me disait souvent, Clay, un jump shot efficace peut te mener très loin. À 14 ans, Clay Thompson déménagea en Californie et parvint à se faire remarquer par les scouts du pays. Car oui, comme papa, il avait le basketball dans la peau. Mais à la différence de son paternel, le jeune Thompson n'était pas locataire de la peinture, mais adepte du tir à longue distance. En 2008, il battit le record de 3 points en un seul match avec 7 unités. Son coach au lycée, Craig DeBusk, s'exprima alors au recruteur NCAA en disant « Ça fait 16 ans que j'entraîne et je n'ai jamais vu un tir aussi pur. Long mais mobile, bon tireur mais également propice à driver au panier, scoreur productif mais aussi excellent défenseur. Bref, Clay Thompson avait tous les arguments pour rejoindre la grande ligue comme son père. 3 belles saisons à Washington State plus tard, voilà donc que Clay inscrivit son nom à la draft 2011 de la NBA. Clay Thompson. I'm gonna take Clay. Pas besoin de refaire son permis de conduire pour Thompson, car ce sont les autres Californiens des Warriors qui misèrent sur lui. Thank you, I appreciate this opportunity so much. I mean, it's hard to describe. Well, I tell you, it's not only a great moment for you, it's a great moment for us. I think it would be a great asset up in for the Warriors just because I'm an unselfish player, I feel like, and you know, I can score the ball, but I can pass as well. Si les talents de Thompson étaient indéniables, sa sélection par les Golden State Warriors fut discutée par les observateurs. Et oui, à cette époque, les Warriors avaient déjà le prolifique mais lunaire Monte Ellis au même poste que lui. Mais ce n'est pas tout, ils avaient aussi un jeune meneur maigrelet du nom de Stephen Curry. À bas l'expérience, les Warriors n'attendirent pas bien longtemps avant de confier les clés de l'équipe aux jeunes Curry et Thompson. À la tête de ce projet, l'ancien génial meneur Mark Jackson. Année après année, les Californiens peaufinèrent leur fond de jeu,
malgré les blessures de Stephen Curry. Mais si les ingrédients étaient là, il semblait manquer à l'équipe de l'abbé le parfait chef pour concocter une folle recette. C'est ainsi que Golden State fit un choix très culotté, en se séparant de l'honorable Mark Jackson pour choisir un autre coach. Avec plus d'expérience? Même pas. C'est sur le puceau Steve Kerr que les Warriors placèrent toutes leurs espérances. Sortez les Kawhis, car l'inexpugnable arrogance des Warriors était toute prête à vous asperger. Pas d'expérience en tant que head coach, peu importe pour Steve Kerr. L'ancien joueur des Bulls donna un énorme coup de fouet aux Warriors. Une équipe désormais portée par les Splash Brothers, Stephen Curry et Klay Thompson. Avec deux des meilleurs tireurs à 3 points de l'histoire dans le même 5 de départ, Golden State fit des dégâts et métamorphosa toute la ligue comme peu d'équipes auparavant. En 2013, la moyenne de 3 points tentés par match était de 20. En 2015, ce nombre avait grimpé à 25. Aujourd'hui, 35. La révolution du jeu prônée par les Warriors mit à la retraite anticipée de nombreux gorilles maladroits et seulement abonnés au move près du panier. Désormais, aucun doute, la clé de la victoire passait hors de la raquette. La victoire, voilà un mot que les Warriors écrivirent sans aucun doute dans leur dictionnaire. Avec 3 titres gagnés et le record de matchs gagnés en une saison régulière, la franchise de Curry, Thompson et Draymond Green s'inscrivit comme l'une des plus belles à voir jouer de tous les temps. Mais alors, Klay Thompson dans tout ça, n'était-il que l'ombre de Stephen Curry? Oh que non! L'arrière écrivit bien l'histoire lui aussi, et notamment le 23 janvier 2015. Ce soir-là, des Warriors de plus en plus imbattables affrontaient les piètres voisins des Sacramento Kings. Klay Thompson s'apprêtait à participer à son premier All-Star Game 3 semaines plus tard et se sentait pousser des ailes. Première mi-temps conclue, l'arrière affichait un 3 sur 9 à 2 points et 2 sur 5 à longue distance. Jusqu'à là, rien d'incroyable. Nous avions affaire à un simple match de saison régulière qui allait aussitôt être oublié. Mais ne zappez pas si vite, car cette rencontre était à deux doigts de rentrer dans l'histoire. C'est avec 9 minutes 45 à jouer dans le troisième quart-temps que Klay Thompson pénétra dans la zone comme peu de joueurs auparavant. Ce miracle commença lorsqu'il marqua un jumper pour permettre à son équipe de reprendre les devants. C'est alors que l'arrière entra dans un état de transe totale en ne manquant aucun de ses tirs suivants. Cinq, 10, 15 points dans ce troisième quart-temps. Ok, Klay Thompson était chaud. 20 points, là, Thompson était brûlant. 25, mais appelez les pompiers. L'arrière raconta. J'essayais simplement de tirer, jusqu'à que je manque un tir. Je me disais que j'allais arrêter une fois que j'en aurais loupé un. Mais ce n'est jamais arrivé. Sur 13 au tir, 9 sur 9 à 3 points, voilà l'incroyable bilan de ce troisième quart-temps de Klay Thompson. Mouillez-vous la nuque et sortez votre boulier. L'arrière avait inscrit 37 points en un seul quart-temps. Thompson finit la rencontre avec 50 points, mais le plus historique demeure bien ses 37 unités en moins de 12 minutes. Car oui, le Warrior rentra dans les annales en inscrivant le plus de points en un seul quart-temps. Le précédent record, Wilt Chamberlain en 1962 avec seulement 31. One of the luckiest NBA players ever to play with Michael Jordan and Tim Duncan, David Robinson, you know, some of the greatest players ever, and as many spectacular things as Michael did, which he did nightly. I never saw him do that. Everybody in this locker room will be
I'm pretty proud to say we saw that. You can't do that in a video game. But yeah. The record, obviously, feels great, but just the zone I was in, never shot like that. It's a rhythm that you really can't explain, but you don't want it ever to end. When you're in the zone, you know it's going in. Il est souvent dit que la zone n'est pas un état que l'on cherche, mais dans lequel on se trouve. Lorsque Kobe marqua 81 points en un seul match, il décrivit la zone en disant « C'est inexplicable, j'avais l'impression d'être en dehors de mon corps et que tous mes tirs allaient rentrer. » Les dieux du basketball avaient pris place en Klay Thompson ce 23 janvier 2015. 37 points en un quart temps. Même un scénariste fou d'Hollywood n'aurait jamais pu imaginer une telle performance. I don't know if I was born for it, but I definitely worked my butt off to get to this point. I guess you could say I was born for it, I guess. Si nous avons décidé de raconter l'histoire de Klay Thompson dans ce rétro, c'est parce que l'arrière des Warriors s'apprête enfin à revenir sur les parquets. Quel drame ce fut pour les amateurs de basketball d'avoir été privés d'un tel talent pendant deux saisons. Peu importe vos affinités basketballistiques, impossible de ne pas être comblé en se rinçant les yeux sur les actions du Californien. Oui, pour ouvrir la porte du 7ème ciel, rien de mieux que le jeu de clés. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Come on! Oh yeah! Oh yeah! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on. Ah!